Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et aujourd'hui on va s'attaquer encore une fois au nouveau responsive et pour appliquer ça on va faire un petit cas concret. Du coup on se retrouve sur mon ordinateur et on va s'amuser à faire ce petit formulaire dribble. On va pas faire toutes les différentes étapes mais au moins cette première étape là, ça va nous permettre de voir un petit peu les différents éléments, notamment les rows, les colonnes, etc. Donc c'est parti. Donc on va se faire sur notre page. Donc on va se mettre déjà notre page en responsive, c'est déjà fait, nickel. On va l'agrandir un petit peu. On va la mettre en 1440 histoire d'avoir de la place. En 900 pareil. Et on va faire d'abord ce petit rectangle bleu. Donc on va se faire. Déjà, on va se configurer notre page. Donc il faut voir que notre page là, on a des éléments à gauche et à droite. Donc notre page va être configurée en row. Parce que quand je vais mettre mon groupe, comme ceci, il va se mettre à gauche, nickel. Et quand je vais ajouter un deuxième groupe, il faut qu'il aille sur la droite du premier groupe. Donc, il faut bien configurer cette page en row. Ok, on va se mettre du coup un bleu. Donc, je vais aller dans mes options set. Moi, j'ai toute une palette de couleurs. Light blue ou alors un blue, 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 blue. Je ne vois pas blue, nickel. On va se prendre un 400. Parfait. Ici, on va se mettre ça. Bon, c'est pas tout à fait le même bleu, c'est pas grave. Du coup, on va configurer ça non pas en fixed, mais en. Non, ouais, si, en row. Parce que donc, comme ça, je peux avoir le vertical stretch qui permet en fait, à l'élément de prendre toute la hauteur de la page. On va le mettre en fixed width, on va le mettre plutôt à 450. Nickel. Et donc, ce groupe-là, on va cette fois lui mettre un autre container layout, puisque nos éléments vont être de haut en bas. Donc, ça va être en colonne. Hop, colonne. On va également le mettre comme ceci en vertical stretch. Et par contre, on va lui définir non pas une fixed width, mais on va lui dire ok, tu peux prendre tout le reste de la page. Ok, on va lui mettre une minimum width à 500. Non, pas à 500, on va mettre à 300, je pense pour l'instant. Et on va se faire cette petite row en haut, cette tote bar, pardon. Du coup, comment on va faire ça? On va en fait d'abord mettre un container qui va être centré par rapport à la page. Et après, dedans, on va lui mettre des différents rows. Donc, c'est parti, créer un container. Donc, on va l'appeler container. Nickel. On va le mettre au milieu. Finalement, on va devoir placer cet élément-là en, non pas colonne, mais align to parent. Comme ça, cet élément-là, on va pouvoir en fait le positionner où on veut, comme un système de cadran en fait. Donc là, je vais pouvoir le centrer facilement. Parce que sinon, si je mets ça en colonne, je peux juste centrer. C'est un peu chiant ça d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont fait comme ça. Mais horizontalement, ou alors si je le mets en row, verticalement. Donc il faut bien mettre ici Align to Parent pour pouvoir modifier facilement son positionnement. Nickel. Une fois que je suis dedans, on va l'agrandir un peu. Alors on va pas le mettre en fixe. Du coup, tous nos éléments, on a dit qu'ils étaient en colonne. Donc ceci va être en colonne. Et on va lui mettre un peu plus une minimum width de 50, 70, 75, 70%. Non, c'est beaucoup trop. 40%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, et max width, pardon, c'est ça que je voulais faire. 60%. Un peu plus. 70, nickel. Et 35. On va faire comme ceci. Nickel. Ensuite, on a donc ce petit élément en haut, donc qui est un row, parce que nos éléments sont placés de gauche à droite, et dedans on va avoir à chaque fois un petit row. Donc c'est parti. Donc cet élément-là, on va l'appeler top bar. Ça va être un row. Et du coup, la width va prendre tout l'élément parent, en fait, toute la largeur de l'élément parent. Ici, on va mettre 250. Ok. Et dedans, on va avoir du coup un autre row qui va être cet élément-là. Tac, 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 tac. Et c'est ça. Alors, on va dupliquer, ça va être à peu près la même chose. Mais ensuite, du coup, dans ce row-là, on a un petit carré avec un 1. Donc ici, ça va être, je sais pas, step 1. Ok. On va pareil lui mettre non pas en fixe, mais en row. Pour l'instant, on va le laisser comme ceci. Peut-être mettre 33% pour le diviser en 3. Ok, donc là on est bon. Donc dans ce row-là, va y avoir encore un container, un groupe. Donc on va l'appeler, je sais pas, tag. Hop, on va le mettre cette fois-ci, lui on va le mettre en fixe. On va lui mettre 45, 45. On va le récupérer la couleur bleue. On va lui mettre un petit peu de roundness. Et dedans, on va lui mettre un chiffre.
Donc pareil, cet élément-là va être non pas en fixe, mais en fait finalement en align to parent. Et par contre, on va lui définir une fixe height et une fixe width. OK? Et ici, on va lui mettre un 1. Comme ça, on va pouvoir avoir notre élément 1 bien centré par rapport à son élément parent. OK? On va également lui mettre ça comme ceci. On va l'agrandir un peu, on va le mettre en blanc. 18, je pense que c'est pas mal. Ouais, nickel. Et ensuite, on va avoir un texte qui va être du coup être sign up. Je vais juste changer le bleu parce qu'il n'est pas terrible. Sign up, hop, je viens changer le bleu. Je prends plutôt un blue 500, je pense que ça sera mieux. Je ne sais plus combien j'ai pris. On va voir ça. Ouais, c'est mieux là. Plus joli ce bleu. Tac, nickel. Et du coup, cet élément-là, on va lui mettre déjà une fixed height. Comme ça, il va être bien centré par rapport à l'élément parent. Et ensuite, dedans, je vais lui dire, OK, là, tu vas être centré. Et toi aussi, tu vas être centré. Et après, je vais venir réduire ça, cette hauteur-là. Je vais le mettre à 45. Comme ça, il fera pile la taille de la hauteur du carré ici. OK? Ensuite, je vais lui mettre un petit peu de, pardon, de margin left. Tac, 10. À la limite, c'est un peu petit. On va le mettre un peu plus gros. On va le mettre en 18. Oula, 18, et on va mettre en lato bold. Est-ce qu'il y a 700? Ok, on va l'agrandir un peu parce que du coup là, il est invisible, il est trop petit le container. Nickel. Et en fait, ça, je vais le réduire aussi un peu. Tac. Donc vous voyez que c'est quand même un peu plus long le processus pour créer les éléments sur Bubble. Avant, ça prenait vraiment quelques secondes, il fallait juste drag and drop. Maintenant, il faut s'accrocher un peu parce que c'est vraiment beaucoup plus long et parfois un peu casse-tête. Hein. Donc, tac, je vais réduire à, on va mettre à 95. Voilà, ici, on va mettre à 25. Et je vais pouvoir ensuite dupliquer mon élément. Alors, soit je fais Command-C, je viens sélectionner l'élément parent et je copie. Soit je peux faire direct, et pour éviter de faire ça, je peux directement dupliquer comme ceci. OK? Ici, je vais changer. Ici, je vais changer. Mince. Tac. Et ici, donc c'est message et checkbox. Ok, nickel. Message et checkbox. Parfait. On est bon. On va juste lui mettre du coup une petite line. Donc, comment on va faire ça? On va devoir déjà réduire cette hauteur-là. On va lui mettre une mine. On va lui mettre 100%. Donc là, on met, non, c'est bon, on est bon. Par contre, ici, on va lui mettre 5, 45, j'avais mis 45. Et on va lui mettre peut-être une fixed height. Non, c'était 40 alors. Hop, nickel, parfait. Ensuite, je vais mettre un autre groupe qui va être en fait coloré. On va lui mettre peut-être un F2, F2, F2. Nickel. On va lui mettre une. Donc ça va être un row qui va prendre toute la largeur. Tac, donc je désactive le fixed width. La hauteur maximum, ça va être 1. Ok, ici on va lui mettre 250 aussi. Je ne sais pas trop comment ça va se passer après pour le. On verra ensemble. Il faudra peut-être modifier ces choses-là pour le responsive. Et là on va lui mettre 10. Un petit peu plus. Nickel. Ensuite, cette petite ligne c'est fait. On va s'attaquer à cette partie-là. Donc là on a un élément qui est en colonne. Donc on va mettre ça. Hop. Ou alors j'ai même pas besoin parce que en fait tout mon container est en colonne, donc en fait ça va pas s'embêter. Hop, on va pouvoir mettre du coup c'est 7 step 1 sur 3. 1 sur 3, on va le mettre en F9 F9. Ça n'a pas voulu, F9 F9. Non, beaucoup trop sombre. Voilà. On va lui mettre un lato un peu en médium, en régular. Non. Un atout un peu plus. J'ai que ça. Ok, c'est pas grave. On va pareil lui mettre non pas une fixed width. Il va prendre toute la largeur comme ça on est tranquille. Et là, je suis en 14. Donc on va mettre 14. Ok, je vais le pousser un petit peu. Voilà. Je peux venir le dupliquer. Et après, on a sign up. Donc je viens changer la couleur. On va le mettre comme ceci. Sign up. On va le mettre en 24. On va le mettre en bold, boom, un peu plus même, 28. Nickel, on va juste réduire un peu la hauteur. On va le mettre plutôt 10. Ne pas 10, nickel.
On a fait cette partie-là. Maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là. Donc là, on a un row. Et dans le row, on a deux colonnes. Bam, bam. OK? Donc c'est parti. On met notre row qui va être non pas en fixed width, mais qui va prendre toute la largeur. On va lui mettre à 250. OK, très bien. Ensuite, dedans, on a. Donc ça va être. On va l'appeler. Je sais pas comment l'appeler. On va l'appeler first name et last name. Wrapper first last name. Ici, ça va être wrapper first name. OK, donc ça va être une colonne. Et dedans, on va avoir un petit label et un input. Donc, on va avoir un petit texte. Donc, ça va être first name. On va le mettre en 12. Tac. Et on va le mettre en lato. C'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de graisse. Donc, tant pis. On va faire comme ça. Et du coup, ça va être en 12. Nickel. On va. Enfin, descendre un petit peu tout l'élément au lieu de mettre à chaque fois des éléments ici de la margin sur tout l'élément, sur tous les petits éléments, on va mettre de la margin sur le container parent. Et donc on va le mettre à 20, comme ça tous nos éléments maintenant vont être à 20 de sign up. Ok, ici on enlève la fixed width, on lui dit qu'il prend toute la largeur, comme ça on n'est pas bloqué pour le responsive. Ici on va lui dire ok, tu te mets à 5, je pense. Voilà, on va mettre en lato, on va lui mettre 2. On va reprendre ce gris-là, histoire d'avoir une petite cohérence. Et ici, on va mettre first name. Ça va être un texte, donc nickel. Ici, on va le mettre comme ceci. Et on va lui dire pareil, tu prends toute la largeur. Bam, bam. Par contre, il garde une fixed height de 45. C'est parfait. On va dupliquer. Alors, ça, on va le mettre. Non pas une fixed height. Une fixed width. On va lui mettre une fixed width à 49. 49%. Voilà. Et ici, on va lui mettre 200 de minimum de width. Je vais dupliquer ça. OK. Et là, on voit que mes éléments sont collés sur la gauche. Moi, ce que je veux, c'est faire un petit espace au milieu. Donc, je viens récupérer mon container parent qui est en row. Et je vais lui mettre ceci. Ceci, pardon. C'est lequel déjà? Space between? Ouais, space between. OK, nickel. Donc là, on est bon. On va juste changer le label. Last name. Ici, last name. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire de pareil? On va agrandir un petit peu les roundness pour vraiment que ce soit un peu identique. Et je pense qu'on va même mettre un peu plus d'espace. On va mettre plutôt à 5. 5, donc c'est nickel. Et on n'est pas trop mal. Et si je veux réduire, par exemple, imaginons que c'est trop large, je prends mon container parent. Et je vais lui dire, par contre, tu te mets moins. Regardez, hop. Et donc là, on est bon. On est un peu plus léger. On va réduire un peu tout ça. Hop, 48. 48 aussi. Là, on est pas mal. On va descendre un peu plus ça, je pense. Pareil ici, on va lui mettre 30. Donc là, c'est hyper pratique maintenant. Vous n'avez plus besoin de tout décaler les éléments une fois que vous avez fait un changement. Et là, on va réduire aussi un peu. On va mettre à. Max Swift, pourquoi il veut pas? Alors je vais récupérer mon parent, ma top bar, ok. Ah, parce que j'ai une min width à 180, on va les mettre à 150. Hop, là on sera mieux. Ok, et on va lui remettre 25. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas très grave, c'est très bien comme ça. Ok, maintenant on va refaire la même chose. Donc ça, on va modifier ça, donc ça va être juste on va un peu chercher la valeur parce qu'il y a nos deux éléments. Donc là je suis à 60. Ok, là ça bouge à partir de 62. Donc le min height c'est 62 parce que si je mets 63, hop, on voit que la petite ça bouge, et si je mets 61, ça bouge plus. Donc c'est 62 la hauteur. Mince, j'ai tout cassé. Ok, et donc là pareil, on va mettre 62. Et ensuite, je vais pouvoir dupliquer ça. Parfait. Je vais changer ici, on va mettre plutôt 20. Parfait. Un peu plus même. Non, 20. On va changer ici. On va lui mettre date of birth. OK. Ici, on change. On va lui mettre une date. Placeholder, machin.
Ok, ici, qu'est-ce que c'est? C'est email adresse. Email adresse, je crois que c'est écrit comme ça. Je sais plus. 2D, 2S, c'est ça. Hop. Mince. Ah, allez. Adresse, nickel. Donc là, on change bien, on met email. C'est parfait. Et ensuite, on va avoir adresse en entier. Donc ça va être tout simplement ça. On va enlever celui-ci. Et cet élément-là, on va lui dire que tu prends toute la largeur. Donc 100%, tac. Parfait. Ici, on va changer. On va mettre adresse. Ok. On est bon. Et ici, on va lui mettre du coup que c'est plutôt un texte. Ce sera plus simple. Ok. Et là, on va se mettre une autre ligne. Donc, on va dupliquer. On va reprendre cette petite ligne. On va la dupliquer. Je vais la mettre tout à la fin. Donc, make last. Boum. Génial. On va augmenter un petit peu plus ici. Parfait. Et ensuite, on va se faire un petit bouton. Un petit button. Tac. Ici, on va lui dire t'es plaqué à droite. La couleur, ça va être celle-ci. On vient changer. Hop. On va mettre du latto pour vraiment garder la même chose. Mince. Tac. On est bon. Et ici, ça va être next step. Next step. Nickel, on va le mettre un petit peu plus bas, on va lui mettre 20, voire 30. Et ici, je vais baisser un petit peu, je vais mettre plutôt 30. Et ben voilà, c'est nickel. On va peut-être réduire encore un petit peu cette Max Swift. Ouais, là, ça sera mieux. Ici, on va mettre un peu plus grand, 550. Ça me paraît pas mal du tout. Ok. Et ici, ça sera pas bleu en fait, ça sera un espèce de gris. Donc on va le mettre plutôt comme ceci. Et là, on va reprendre le bleu pour mettre ça là-dedans. C'est peut-être pas un bleu. Ouais, c'est un bleu. Je n'ai pas tout à fait le même bleu. On va faire comme ça. On va mettre plutôt en noir, comme ceci. Je vais récupérer cette couleur-là. Je vais la mettre là-dedans, et celle-ci, je vais récupérer ça, et je vais mettre ça là-dedans. Donc là, on est à peu près pas mal, je pense. Ok, je pense que toutes les bordures, finalement, sont en 2, ou 1 point, ouais, 2, je pense. C'est pas très joli, mais bon. Ouais, bon, allez, c'est en 1, c'est pas très grave. Ce sera pas tout à fait la même chose, mais au moins, on aura vu un petit peu comment ça fonctionne. Nickel, donc là, maintenant, on va faire le responsive. Donc, ici, ça se casse la gueule, donc forcément parce qu'en fait, ça, c'était pas une bonne idée. On aurait dû le mettre non pas en fixed width, mais en pourcentage. Donc là, on va mettre plutôt 320, même un peu moins, 300. Ok, et là, on va le mettre plutôt 40%. Voilà, et lui, on va le mettre 60%. Parfait, et ici, on va mettre plutôt. On va plutôt mettre 250, comme ça on sera tranquille. Ok, donc là je me remets sur le responsive. Donc là on est good. Alors là ça part un peu en cacahuète. Pourquoi? Min-width, on va plutôt mettre en 500, 600, on va mettre 550. Ok, qu'est-ce que ça donne si j'agrandis sur mon builder? Là on est bon. Ok, là on est bon, là on est bon. Là il faudrait qu'on enlève ça. Donc on va se mettre une petite condition. When current page width est inférieur ou égal à 768, cet élément-là, il n'est pas visible. Boum. Il n'est pas visible. Ok. Par contre, on va lui dire aussi qu'il se collapse. Nickel. Alors là, on a un petit souci maintenant. C'est quoi ce bordel? Pourquoi notre élément là? Non, en fait, on va pas lui mettre de max width. Parce que voilà, là il va prendre. Ok, là on va réduire un peu. Pourquoi il veut pas? Alors attendez, on va mettre un peu plus petit. Ok, 35, c'est du fort. Franchement, c'est du. On tweak un peu les boutons, quoi, pour voir ce que ça rend. Ok, là c'est nickel. Et là, on est plus bon. On est plus bon. Ça part complètement en cacahuète, déjà, parce qu'en fait, voilà, il faut mettre 320. Ok.
Là, on va lui mettre. Alors ça, c'est un peu le truc un peu chiant sur Bubble là. Je comprends pas d'ailleurs comment ça va. C'est possible qu'ils aient pas pensé à ça. En fait, dès qu'il y a trois éléments comme ça à la ligne, ouais, c'est un peu la galère en fait. C'est un peu la galère. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt enlever ces Max Swift et on va plutôt lui mettre de la margin. Ça sera moins joli. Et on pourra en fait modifier du coup en fonction de la taille de l'écran plus facilement. Donc là, ouais, quoique, et on va mettre Max Swift 80% alors. 70, est-ce qu'on est bon? Là, on devrait être pas mal. Là, on est pas mal si j'agrandis. Ah, c'est chiant, hein? C'est très très chiant. Alors, on va plutôt mettre en pixels. On va mettre 600. Là, on va pouvoir modifier du coup quand la current page width est inférieure ou égale à 992. Alors, le left margin, on va le mettre plutôt à 50. Et le right margin, on va plutôt le mettre à 50. Voilà, comme ça, on va pouvoir venir. Là, on est bon. Et là, donc là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Par contre, là, on est plus bon. Donc, du coup, comment on va faire ça? On va déjà voir ce que ça fait quand j'enlève ça. On va enlever la Max Swift. Ok, et donc là, il faudrait mettre, en fait, je pense 100%. 100%, voir ce que ça donne, et on mettra au pire de la margin. Mais franchement, ça, les trois colonnes, c'est une galère. C'est une bonne galère. Si je mets un peu plus, voilà, 175. Il faudrait que ça passe, voilà, nickel. Ici, on va lui mettre du coup quand la current page width est inférieure ou égale à 300, on va mettre 400. Parce que je pense que ça, c'est à partir de quand que ça. 400, 425, 424. 424, alors, top margin est égal à 10, bottom margin est égal à 10. Nickel, là on est bon. Là on n'est pas bon, mais bon, je peux pas faire autrement. En vrai, il n'y aura pas beaucoup de téléphones qui seront comme ça. Ok. Alors pourquoi là il prend pas toute la hauteur. Hop. Mettre 600. Ok, donc là qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ça ne veut pas. Tac, tac, tac. J'ai dû mettre. Mince, j'ai dû mettre quelque chose qui ne va pas sur ça, je pense. Select first parent. Ok, j'ai mis. Une... Ouais, effectivement, j'ai mis. Ok, là on est bon. Là on est bon. Là on est bon. Ok, donc là on a encore ce souci-là. Toujours, c'est toujours très très chiant, je vous assure. Donc on va mettre 100%. 100% en fait, il faut faire comme ceci. Et ici, on va lui mettre plutôt 10. Et là, pareil, 10, comme ça, on va pouvoir bien changer nos éléments. 100%. 100%. On change ici, 10. 10. Et donc là, on va être bon. Voilà, nickel. Et ici, on va lui dire quand la current page width est inférieure ou égale à 425, alors la right margin est égale à 0. On va reprendre cette condition. Hop, on vient la mettre ici. Ça va plus être la right, mais ça va être la left. On est bon. On vient récupérer, allez, s'il te plaît, cette condition. Moi, je l'avais, je suis bête. Ouais, non, c'est pas grave. Hop. Je la mets ici. Je viens récupérer cette condition. Et je la mets sur cet élément-là.
Limite, je pourrais en fait. Ouais, il faudrait que je mette carrément en fait de la. J'ai un dit un peu nimp. De la left margin partout. Ça sera beaucoup plus joli. Comme ça, on aura nos éléments qui éviteront d'être collés au mur là, sur les bords. Allez. Il veut pas. Past. On est bon. Past. On est bon. Et le dernier. Past, on est bon. Et ici, on va lui mettre pareil. Right margin, left margin. Nickel. On va mettre aussi sur ça. Comme ça va respirer un peu plus. Et pareil ici sur cet élément-là. En fait, j'aurais dû faire un bloc complet. J'aurais dû mettre. Je suis bête. J'aurais dû le mettre là-dessus. Non, en fait, non. Pourquoi ça veut pas left margin? Ouais, j'aurais dû mettre une condition là-dessus en fait. Je pense non, ça n'a pas pris. Bon, c'est pas très grave. On va mettre là-dessus. J'aurais dû faire en fait un bloc qui englobe tous ces éléments-là et lui mettre de la margin sur tout le bloc. Ce sera beaucoup plus simple. Là, il manque juste de la top margin. C'est 20, il me semble. Et ici, pareil, top. Et voilà, on est tout bon. On est tout bon, on est tout bon. Est-ce que ici c'est bon, ça marche bien, là ça marche bien, là ça marche bien, et si je stretch, on est good. Je repasse sur mon écran, voilà. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu bah, pour m'encourager à faire la suite. D'ailleurs, je vais commencer aussi une newsletter où je vais expliquer un petit peu mon aventure parce que je souhaite créer un micro SaaS, donc un logiciel sur le web qui permet en fait de répondre à une problématique précise. Donc, je vais documenter tout ça. Je vais aussi vous donner un maximum d'astuces pour optimiser votre application, votre responsive, enfin, et vous raconter aussi mes petites galères qu'il y a dans cette aventure-là. Donc, si ça vous intéresse de suivre mon aventure, je vous laisse le lien dans la description et je vous dis du coup à dans une prochaine vidéo.